Jonah est sûrement arrivé au lycée, oui. Seb dort encore car exceptionnellement il commence à 9h30. Il avait pris 2 heures pour que je puisse aller faire ma prise de sang ce matin. Mais finalement un miracle s'est réalisé. Sur mon ancienne ordonnance, il me restait 1 mois de traitement à prendre que je ne savais pas. Du coup, hier, j'ai envoyé, je vous ai dit, Seb à la pharmacie pour demander à ce qu'il me dépanne 1 mois de traitement. Et finalement, il me restait 1 mois à prendre. Du coup, ce matin, j'ai repris mon traitement, d'où le fait que je sois super souriante. Parce que psychologiquement, quand il m'a ramené la boîte, j'ai pleuré hier, pour vous dire. Voilà. Voilà, j'en ai pleuré de joie quand je l'ai vu arriver avec la boîte. Je me suis dit, putain, ça y est, fini la galère, fini cette fatigue, fini cette étape psychologique. Il n'y a pas, hein, la maladie d'Hashimoto, c'est vraiment une grosse merde, quoi. En parlant poliment, franchement, je pensais pas, mais parce que c'est pas une maladie qui se voit, c'est pas une maladie qui impose des douleurs outre mesure, mais alors c'est... psychologiquement très dur comme maladie. Enfin après c'est de ma faute hein, parce que je suis pas mon traitement correctement, mais je pense qu'à force ça y est, là je commence à comprendre que je peux plus ne pas prendre mon traitement tous les jours, toute ma vie malheureusement. Bref, donc du coup voilà, donc ce matin j'ai repris mon cachet. Du coup je sais que voilà, pendant 2-3 jours encore je vais être dans cet état de flottement, et qu'après ce sera reparti, je retrouverai mon énergie, ce qui fait que je sais déjà que je vais passer Noël dans un état normal. Et alors psychologiquement ça me... voilà. Sinon hier j'ai terminé de tout plastifier, il faut que je vous montre. Je parle pas trop fort puisque comme je vous l'ai dit, c'est Bétoli, c'est son anniversaire en plus, donc je vais pas l'embêter trop. Je vous montre, Aria est dans son lit. J'essaye de la laisser le plus tard possible au lit pour que Seb puisse se reposer un maximum. Elle regarde sa télé, elle joue, voilà, elle s'occupe quoi. J'ai fermé un tout petit peu. Et du coup, voilà, hier, j'ai terminé comme ça. J'ai réussi à faire toutes les enveloppes. Les enveloppes mystères et les enveloppes pailletées qui m'ont été commandées. Théoriquement, tout est fabriqué. Il me reste plus qu'à fabriquer les... Je vais vous remettre là avec la lumière derrière, voilà. Il me reste plus qu'à fabriquer les intercalaires de Fabienne que j'ai pas eu le temps de fabriquer avec tout ça. Donc là, je vais les fabriquer également aujourd'hui. Par contre, pleine d'ambition, je m'étais dit, j'avais organisé ma semaine pour que les commandes partent demain, ce qui sera pas possible puisque j'ai complètement zappé. Demain, c'est l'arbre de Noël du régiment, donc les commandes partiront jeudi. Et je vais arrêter de m'en excuser parce que bah, vous voyez bien que je fais ce que je peux pour que ça parte vite. Maintenant, ça peut pas, hein, c'est comme ça. Il y aura des semaines où ça partira plus vite que d'autres. Les dernières commandes, forcément, vous aurez attendu moins que les premières. Et la prochaine fois, ce sera l'inverse. Enfin, ce sera les personnes, d'autres personnes. Il y a toujours des favorisés, des défavorisés. En tout cas, toujours est-il que je fais mon max pour que tout parte vite. Mais bah, j'ai aussi une vie privée qui fait que bah, des fois, je peux pas assurer ce que j'avais dit que je ferais, voilà, donc c'est comme ça. Donc les commandes partiront jeudi et non pas mercredi. Dans tous les cas, en partant jeudi, vous les aurez samedi, donc pour les personnes qui espéraient les avoir avant Noël, c'est encore bon. Mais bon, après, les personnes qui ont commandé cette semaine, il y avait quand même peu de chances que ça arrive avant Noël, et ça pour toutes les boutiques, hein, je suis pas la seule. Du coup voilà, je me suis fait un make-up avec la palette Disney Colourpop. J'ai mis du doré sur la paupière mobile et du marron orangé sur le coin externe. J'aime beaucoup ce que ça donne, c'est typiquement les couleurs que j'adore. Du coup voilà, hier soir j'ai encore eu une commande d'enveloppe mystère. Je pense que j'en aurais pas fait assez, mais c'est pas grave pour cette semaine. ça suffira, on verra la semaine prochaine maintenant, clairement, puisque je vous ai dit, entre le 25 et le 31, je vais tourner au ralenti. Je ne ferai que les commandes, je ne ferai pas les vidéos. Si, je ferai les vidéos, mais que les vidéos budget. Par contre, en parlant de vidéo budget, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo budget, puisque je vais tirer jusqu'au 31, justement. Donc, je ne ferai pas de bilan de la semaine 4 et remplissage de la semaine 5, puisque je vais essayer de faire avec ce qui me reste dans le portefeuille, quitte à ce qu'il n'y ait pas du tout d'économie à la fin du mois, c'est pas grave, mais je vais essayer de tirer avec ce qui nous reste. Du coup voilà, s'il n'y a pas d'économie à la fin du mois, c'est pas bien grave. Pour le budget du mois prochain, je pense que je vais prendre un maximum dans les épargnes de 2023 pour constituer une trésorerie sur la boutique, si je peux éviter autant que faire se peut de prendre un salaire ce mois-ci. Je voudrais commencer 2024 avec une trésorerie en fait sur mon compte pro pour pouvoir tourner plus facilement et être sûr de pouvoir prendre mon salaire tous les mois sans compter les jours. Voilà, je voudrais avoir une trésorerie d'au minimum mon salaire, au minimum 1000 €. Donc je vais prendre, je pense, sur les économies qu'on a fait en 2023, on va tout recommencer à zéro, c'est pas grave. On s'en fiche, hein, c'est de toute façon nous dans tout est payé et que on a ce qu'il faut pour Noël, les anniversaires, je vous l'ai déjà dit, hein, nous l'épargne à long terme. Pour l'instant, si on ne peut pas la faire, c'est pas grave, je suis en pleine création d'entreprise, ça va être en pleine reconversion professionnelle. Tant pis, on verra pour plus tard, mais pour l'instant, mon objectif, c'est que ma boutique continue de vivre, que je puisse continuer d'assurer mon salaire. Et pour ça, il me faut une trésorerie. Voilà, donc je pense qu'on va vider les enveloppes pour... on va juste garder l'épargne pour Noël, pour l'année prochaine, les premiers mois d'anniversaire, et le reste, je vais tout récupérer pour constituer le budget du mois de janvier, je pense. On verra, puisque comme je vous l'ai dit, le salaire de Seb va couvrir uniquement les charges fixes, et encore on sera probablement à découvert. Donc voilà, on va mal commencer janvier en théorie. Heureusement qu'on a les épargnes de 2023 pour... ouais, on va mal commencer 2024, mais heureusement on a les épargnes de 2023 pour compenser ça. Donc voilà, c'est tout ce qui compte, puisque nous, notre objectif, c'est de ne plus être à découvert. On n'a pas de grands objectifs d'épargne. Dans tous les cas, on ne partira pas en vacances l'année prochaine, je vous l'ai déjà dit, puisque Seb sera dans sa reconversion et n'aura pas de vacances. Moi, il y a peu de chances que j'ai des vacances aussi. Donc on a un an complet pour vraiment se mettre bien, et qu'en 2025 on puisse réellement commencer à se projeter sur des vacances, des choses comme ça. Voilà, ça fera jamais que plus de 30 ans que je suis pas partie en vacances, on n'est plus à ça près. Du coup voilà, bref, pour ça j'ai réfléchi à tout ça là ces derniers jours, et de toute façon je commençais à vous en parler hein, hier, avec le fait que il me fallait absolument une trésorerie sur mon compte pro, qu'il fallait que j'arrive à la constituer. Du coup voilà, on fera le bilan des économies constituées en 2023 quand même, pour savoir ce qu'on a fait en économie, et on redémarrera à zéro, à part pour Noël et le début des anniversaires. Voilà, bref, c'est tout pour le moment, je vais vous laisser là, je vais répondre aux commentaires et commencer ma journée de boulot. Aujourd'hui ça va être que du découpage, pour que Seb ce soir puisse relier, que moi je puisse peaufiner demain tout ce qui me restait à préparer, donc comme préparer les étiquettes d'expédition, machin, les termes, tout ça, pour que jeudi matin je puisse bâcler tous les envois et envoyer le plus tôt possible pour être sûr que ça parte jeudi. Du coup voilà, comme ça si je peux faire les 70 commandes que j'ai en attente et les faire partir jeudi, je sais que pour le week-end, j'ai l'esprit libre, parce que ce sera le week-end de Noël, je ne vais pas travailler, les filles arrivent vendredi, vendredi soir on fait l'anniversaire de Seb, samedi, j'aimerais bien me reposer pour dimanche, être en forme pour le réveillon, et je reprendrai le boulot lundi. Voilà, du coup, vous savez tout, je vous reprends tout à l'heure, à tout à l'heure. j'ai répondu aux commentaires. Comme vous l'avez vu, j'ai repris mes premières lignes de journaling. Je suis contente. Fallait passer le pas, je devais commencer hier. Hier, j'étais pas dans un bon état d'esprit, je crois. Là, ça y est, j'ai repris et je ne m'arrêterai plus. J'ai besoin de retravailler sur moi, j'ai besoin de refaire mon journaling, de refaire les Miracle Morning, j'ai besoin de reprendre soin de moi, j'ai besoin de me sortir à la tête de tout ce qui me fatigue en fait, psychologiquement. J'ai besoin de reprendre plaisir aux choses que j'aime et de poser mes objectifs pour pouvoir les réaliser. Voilà, 2024 ça va être ça le but. Développer ma société en fait partie, me développer moi-même, développer mes relations familiales, développer tout ce que j'ai un peu abandonné ces dernières semaines, ces derniers mois, et surtout apprendre à me reposer. Reposer, ça ne veut pas dire ne pas travailler, ça ne veut pas dire rester affalé dans le canapé. Se reposer, ça ne veut pas dire procrastiner. Se reposer, ça veut dire se libérer la tête, pour moi. Donc j'ai besoin de réapprendre à me reposer, voilà. Donc petit moment pour moi, donc comme je vous ai dit, j'ai répondu aux commentaires, ça aussi, ça me fait du bien. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai gagné 6 abonnés depuis hier, donc bienvenue sur ma chaîne. En ce moment, c'est plus je gagne, je repère, je gagne, je repère. Du coup, voilà. Donc là, 6 abonnés d'un coup, ça fait plaisir. J'ai beaucoup de mal à progresser au niveau des abonnés ces derniers temps. Mais comme je vous l'ai dit, c'est plus ma priorité. Voilà. Clairement, ma priorité, c'est plus de faire plaisir à ma communauté plutôt que de gagner des abonnés, des abonnés, des abonnés. C'est plus l'objectif. Voilà, sur ce, ça c'est fait. Là, je vais aller récupérer Aria qui commence à s'exciter dans son lit. Ma petite boulette, elle est trop belle, je la regarde sur la caméra. Et je vais d'abord aller réveiller Seb, je vais lui amener son café je pense, ensuite je vais récupérer Aria. Je commencerai à travailler réellement quand Seb sera parti au boulot je pense, puisque là faire le bruit de la guillotine alors qu'il n'est pas réveillé c'est pas génial, et puis j'ai le temps, enfin, j'ai envie de prendre le temps, voilà. Je sais que du coup j'ai aujourd'hui et demain pour terminer, donc j'ai pas envie de speeder, j'ai speedé hier comme une tarée, j'ai fini dans un état déplorable, et tout ça pour gagner 24 heures que finalement je gagnerai pas, donc je relativise, voilà. Les personnes qui me suivent savent que je fais de mon mieux pour que ça aille au plus vite. Je m'excuse auprès de ceux qui n'apprécient pas d'attendre une petite semaine pour recevoir leur commande, encore une fois, mais enfin voilà, je pense que c'est pour toutes les boutiques pareil, hein, on ne peut pas tout faire en 24 heures, vous voyez la quantité de travail que ça représente, ne serait-ce que de faire un défi. Si vous préférez les acheter plutôt que de les faire vous-même, c'est que vous savez que ça prend du temps, et pour que les choses soient bien faites, il faut le temps. Donc du coup voilà, je vais arrêter de m'en excuser, je prendrai le temps qu'il faut dorénavant pour faire les choses bien et dans les temps que moi je m'impartis. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous bisous. Oula. Allô. Ouais. L'appareil photo, il voulait pas déflouter, il avait pas envie de voir ma trogne. Ah. Il est levé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, papa. Happy birthday to you. Comme ça, vous pourrez chanter en même temps. C'est pas bébé, c'est papa. C'est le versaire à papa, pas à toi. Oh. C'est pas l'anniversaire à tonton tous les jours. Aïe. On est quoi là? 19. Je crois que j'ai pas de 19 moi là-dedans. Ah. Ah si, 19. Tiens. Toi tu les as bien rangés, t'es un petit malin. Les tiens je les avais rangés. 19. Ouais mais c'était sans compter sur Aria qui fouille. Ouais. Oui, blanc. Allez, mets-toi là-bas. Sur le côté. Comme d'habitude. Aria, par contre, calme-toi, s'il te plaît. Je te jure, c'est trop, là. Ah bah, le 23, non? Non, le 20. C'est quoi, ça? Là. Encore un truc que tu vois. Tu vas pouvoir casser direct. Casser? On voit que c'est moi qui l'ai ouvert. Alors, Morgane, tu vas pas me dire que c'est de ma faute. Non, mais là, c'est le scotch. Non, mais j'ai que des calendriers défaillants. Une fourchette. Une fourchette à vous. Tiens, papa, attrape, s'il te plaît. Elle en a rien à secouer. Ouvre les bonbons, ça va t'intéresser plus. Oui. Ouvre. Allez, papa, à toi. Bah, je te l'ai donné, là. Ah oui. Non, tu l'ouvres. Réfléchis, trouve une solution, déchire tout si tu veux, mais tu l'ouvres. Tu fais des yeux. C'est un masque, je parie. Non, lui, il a barbe. Ah, putain, enfin. Ouais. Hier, il a eu une brosse, il était trop content. Ah oui, elle est bien. Il y a un bijou. Ah oui, il y a un bijou de barbe aussi. T'essayes même pas, Arila, sérieusement. Ouais, j'avoue. Léger, mais... Tu vas sentir bon du poil. Oui. D'habitude, c'est là où les poils puent bien. Ok. Ah ouais. Je suis en forme ce matin. T'es sûr qu'il n'y a pas eu d'opercule là? Non, c'est pas cool. Là, tu me l'as arraché des mains là, j'ai pas rêvé. Non, non, un déjà. Un. Non mais c'est lui la barbe, t'as pas de barbe au niveau des yeux. Bah non mais c'est là. Oui, non, mais c'est sur ta barbe qu'il faut le mettre. Eh bah oui. Bah t'as mis partout ça sur ta barbe. Bah non. Bah si. Ah oui, coca. Ah là. Oui, c'est au coca. Ouais, là. C'est bien, Jonah m'a mis tous les coca, ceux que j'adore. Ouais. J'en ai pas mangé un seul. Aria m'a tout chapardé. Bah oui, Miami, tu m'étonnes. Allez, on va faire le... T'as reçu un message, non? Ah ouais. C'est la belle. Ok, quoi. C'est mignon. Tu as une tête de chat qui a mangé... Qui a mangé un citron, mais je t'aime quand même. Joyeux anniversaire. Mais sans déconner, mais... Bah super la belle doche. Ma mère qui envoie un message d'anniversaire à ses... Ah, enfin de l'argenté. Attends, je vois. Non, merci. Sois pas méchant. Le chat... C'est les chouilles. Les chouilles. Je suis à fond dans les étoiles moi pour 2024. Il est trop beau. Une poussée. Arrête de la pousser. Voilà. Je suis trop contente. Regarde. Ah, elle est jolie. Ouais. J'aime beaucoup. Simple et jolie. Il était quelle couleur celui-là? Il est argenté. Ouais. Regarde maman. Celui que tu m'as offert, je sais plus. N'importe quoi. Tiens, tu peux me mettre le collier que tu m'as pas offert. On va faire un petit moment de romantisme. De romantisme. Ouais, c'est de la romantisme. Fais papa. Un foot. Il fait pas trop serré. Non. Non, non. Voilà, j'aime bien, c'est fin. Ouais, c'est fin, c'est joli. J'aime beaucoup. C'est discret. Hop, comme ça je peux faire une accumulation. Moi aussi. Toi aussi quoi? Moi aussi, les coulis. Bah non, t'es trop petite. Là, ça commence à faire un petit peu... Ah, bah j'en ai un qui... Il a sauté. Je sais pas où il est. Celui avec les ronds. J'ai dû le perdre dans la bataille. C'est pas celui qui m'a dit de poser dans le... Non, bah non, c'est celui avec les perles. Ah. Là, c'est un fin comme ça, mais avec des ronds qui arrêtaient pas de s'accrocher, donc c'est sûr que... Non, ça va. Bah voilà, hein. Tiens ton couteau qui va avec la chauffée. Et le 19 du calendrier. Oh, c'est un grand. Ah, non. Ouais. Celle de bain. J'ai pas eu de bombe de bain encore. Peut-être là. Et puis pas. Non mais ils font des palais. Ah, j'en ai pas eu. Moi je vais tout vider d'un coup. Hop, hop. Ni vu ni cunu. Du coup voilà pour les calendriers de l'Avent. Jonah n'est pas là donc on peut pas vous dire ce qu'elle a encore une fois. Bah tout mangé. Encore. Bah t'as tout mangé, c'est bien, tu dois pas manger de bonbons le matin normalement. Ouais, c'est la fête. Donc t'en auras un tout à l'heure après le dodo. C'est la teuf. Voilà, du coup c'est tout pour le moment, je vous retrouve tout à l'heure, je crois qu'on en est déjà à 20 minutes de vlog là juste pour une ouverture et le calendrier de l'Avent, c'est génial. J'ai commencé mon journaling, ça y est, donc je l'aurai montré. Ah, c'est génial. Voilà, je suis de bonne humeur ce matin, heureusement que j'avais mon cachet, ça y est, j'ai l'impression que je revis, je pète la forme, ça y est c'est fini. Hop, un cachet, tout va mieux. Si génial, à part une migraine cervicalienne. Ouais. Qu'on a tous les deux d'ailleurs. Bah, faut mouiller un bonbon. Bah oui, tu m'étonnes. Et tu t'en vantes. Et t'es contente. Tu vas avoir les chicots pourris, mais t'es contente. Faire tes dents. Oh. Moi. C'est pour que je le fasse passer à papa. Voilà. C'est mignon. Allez, on vous laisse. À tout à l'heure. Il va falloir travailler un jour. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Alors je vous reprends, il est 9h20, ça y est je suis au bureau, je viens de changer le nom de ma chaîne, j'aime bien de temps en temps changer et là pour 2024 je voulais vraiment que quand on voit le nom de ma chaîne on comprenne de quoi je parle puisque c'est vrai que Jenny's Real Life ça parle pas à grand monde. Du coup je l'ai nommée Jenny les enveloppes d'une vie parce que c'est ça en fait, c'est une vie et les enveloppes budgétaires et les enveloppes qui ont changé notre vie. Du coup je trouvais ça pas mal, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup voilà, maintenant faudra cliquer Jenny les enveloppes d'une vie dans le moteur de recherche pour en retrouver. Je changerai pas par contre mes réseaux et tout ça, je laisserai Jenny's Real Life parce que maintenant vous connaissez avec ce nom là et que ma société s'appelle comme ça également, donc j'ai pas envie de tout changer. Mais je pense que pour la chaîne c'est pas mal comme nom, voilà. Jenny les enveloppes d'une vie, j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Je regarde si ça a bien fonctionné. Ouais, c'est bon. Ça a bien fonctionné. Par contre, le pseudo reste Jenny's Real Life. Comme ça, normalement, vous devez pouvoir me trouver avec les deux noms. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vais pouvoir commencer à travailler pour la boutique. J'attendais que Seb parte au boulot. Il est parti. Il a paumé son laissez-passer. J'espère qu'il va le retrouver. T'es où, bébé? D'accord. Et du coup, voilà. Moi, je vais m'y mettre. Donc là, ça va être de la coupe, de la coupe, de la coupe. Ça va être que ça. Donc là, je vais commencer par mettre les pastilles argentées sur les cartes des enveloppes mystères. Ensuite, je vais faire pareil avec les... défis jours fériés et les défis impairs, parce que c'est ce qui me prend le plus de temps quand je prépare les envois des commandes, donc au moins c'est fait. on n'en parle plus, j'aurai plus qu'à couper et ranger dans les enveloppes. Voilà, je vous laisse et je m'y mets, à tout à l'heure. Vous êtes en travers, en diagonale, en zigzag. Tout va bien, dans ce plan, tout va bien. Il est 10h10, j'en suis là, je viens de terminer les enveloppes mystères. C'est rien mon cœur, j'ai fait tomber mon travail. Voilà, j'en suis là, donc j'en ai fait 14, il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est rien mon cœur, j'ai fait tomber ça, mais j'ai ramassé. Voilà, donc j'ai fait 14 enveloppes mystères, je les ai mises dans une panière comme ça, parce que c'est donc les derniers paniers que j'ai pris à Action. Mon objectif serait à terme de le remplir et de le garder un maximum plein. Du coup voilà, je les ai rangés directement. Là je vais passer au défi jour férié. Et ça va me faire bizarre parce qu'avant, les défis jour férié, je les envoyais dans des enveloppes à 5. Et plus maintenant, donc ça va me faire bizarre, je sais pas comment je vais les stocker ni les envoyer. Je pense que je vais les envoyer avec un élastique pour pas que ça se mélange dans l'enveloppe quand je vais l'envoyer. Du coup voilà, donc là je vais coller les stickers à gratter et ensuite je ferai la découpe comme j'ai fait pour les enveloppes mystères. J'avance tout doucement mais j'avance. Ensuite le plus long, ça va être ça, les défis impairs qui eux vont me prendre un temps considérable, mais je me dis qu'une fois que tous ces petits trucs là c'est fait, j'aurai plus qu'à faire les gros défis à 6 et ça devrait aller beaucoup plus vite. À la découpe, le plus long ça va être pour Seb à percer parce que c'est vendredi mon cœur qu'on va chez tonton pour l'anniversaire à papa, c'est pas aujourd'hui. Après je vais avoir ça à coller aussi, les blocs budget mensuel. Et voilà, je vais essayer de créer la semaine prochaine je pense un bloc de tracker. Non, c'est pas l'anniversaire à tonton, c'est l'anniversaire à papa et à Gaël. Oui. Du coup voilà, bref, je vous laisse. Je suis en train de regarder 2 épisodes en avant-première de Mariée à tout prix. J'aime trop cette émission, je suis à fond. C'est bidon, mais je suis à fond. Bref, allez, je vous laisse. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de nos aventures. 11h, alors aujourd'hui je vous prends vraiment au fur et à mesure de la journée pour vous montrer vraiment l'avancée de la chose. Je viens de terminer 10 défis des jours fériés, voilà, avec les trackers, ça c'est fait. Là je vais attaquer les défis du zodiaque. Les cœurs je vais les garder pour plus tard parce que ça va être vraiment très long et je veux pas perdre de temps à découper des cœurs, ça je peux le faire le soir devant la télé au pire. Bon voilà, ce soir pendant que Seb est en train de relier, au pire si j'ai pas eu le temps de les faire, je pourrais faire ça ce soir. Là, mais tu l'as la télé bébé. C'est une trouille. Là, je vais attaquer ça. Et pareil, j'en ai 10. Je vais commencer par mettre comme là les pastilles à gratter. Et ensuite, je vais couper tout ça. Et voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Je vais mettre ça dans le tiroir. Donc du coup là j'en ai 10, il m'en restait 3 en stock, ça m'en fait 13. Je pense qu'on est pas mal. Au niveau des commandes, je crois que j'en ai 7 ou 8. Eh, descends de là mademoiselle. Descends de là mademoiselle. Voilà, ce qui me prend le plus de temps, c'est vraiment de coller tous les stickers. Non, reste, arrête. C'est vraiment de coller tous les stickers parce que bah, un par un ça prend du temps et mais bon, une fois que c'est fait par contre après je suis tranquille pour l'envoi des commandes, j'ai plus qu'à mettre dans les enveloppes et hop ça part quoi. Donc je me dis Tu perds du temps tout de suite, mais t'en gagneras après quoi qu'il arrive. Donc c'est ça qui est génial. Du coup voilà, je continue. Là il me reste un peu moins d'une heure avant de faire manger Aria. Et non, c'est pas l'heure bébé, c'est pas l'heure, j'aurais dû me taire. Aria, s'il te plaît, est-ce que tu peux te calmer? C'est pas l'heure. Ramasse-moi tout ça, je t'ai déjà dit, ici c'est pas une salle de jeu. Tu préfères que je mette tout à la poubelle? Aria, arrête, ramasse-moi tes cartes. Du coup voilà, donc là je vais mettre les stickers là-dessus, ensuite je découpe et ensuite ça sera l'heure de m'occuper du bébé. Voilà, et je reprendrai en début d'après-midi. Je sais pas si j'aurai fini aujourd'hui, très honnêtement, je commence à douter du fait que j'aurai terminé aujourd'hui toutes ces découpes. Ça passe trop vite, le temps passe trop vite, c'est normal. Sinon j'ai terminé Mariée à tout prix, j'avais qu'un épisode à regarder donc ça a été vite vu. Je l'ai terminé et là je me suis remis Esprit criminel sur Disney, je recommence soit à zéro. En ce moment j'ai envie de regarder des trucs comme ça en travaillant, enfin d'écouter plutôt. Du coup voilà, je suis mes envies, j'écoute et je les connais par cœur, je les ai déjà vus tellement de fois. Pose-moi ça, c'est le travail vraiment Aria ça. Pose-moi ça. Aria, arrête. Arrête. Non, c'est le travail à maman d'école, tu en as. Stop. T'as compris? Mais elle rigole en plus. J'ai une autorité sur cet enfant, ça fait peur. Allez, je vous laisse, je reprends, je vous montre tout à l'heure où ça en est. Bisous. Mon stock grandit, grandit, grandit. C'est cool. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Il est midi. J'ai une sale tronche. Je viens de finir les défis du Zodiac. Donc j'en ai 9 de fait. Allez savoir pourquoi 9, je sais pas. Je pense en avoir fait 10, mais c'est pas grave. Mon tas n'a pas réduit du tout. Je commence à me dire que j'aurais pas terminé aujourd'hui. C'est pas possible. Voilà. Là, c'est les défis pleine lune. Ouais, je vais peut-être les faire. Ouais, ça va vite, ça. Du coup, voilà. Donc, à midi, je vais aller faire manger Aria. Et puis, ben, je vais clôturer là. Puisque, vous savez, l'après-midi, il faut que je monte le vlog. Et en même temps, travailler, ça prend pas mal de temps. Et si je tarde trop à clôturer, bah, je m'en sors pas après. Donc voilà. Du coup, comme d'hab, je vais clôturer à midi. Je cherche quoi lui donner à manger. Si je lui demande avant encore me dire du riz. Bah, je vais lui faire du riz avec des haricots verts, tiens. Ouais, du riz avec des haricots verts, ça me paraît pas mal. Du coup, voilà. Bref, je pense pas que j'aurai terminé aujourd'hui, contrairement à ce que je croyais. Après, on verra ce soir. Hein. Hier, je disais la même chose et finalement, j'ai réussi à finir. Donc, peut-être qu'avec un peu de chance... j'y parviendrai, enfin avec beaucoup de chance. Hop. Je vous garde avec moi le temps de faire ça, comme ça on clôture ensemble tranquillement. Je ne sais pas où sont passés mais oh non. Oh. Qui arrive. Je suis supposée recevoir le bicelle aujourd'hui. C'est super, je sais pas où est mon nouveau boîte. Est-ce que je vais y arriver avec ça? Yes. Je prépare le mal. Oui. Ouais, je suis supposée recevoir le bicelle aujourd'hui et mes feuilles plastiques parce qu'hier, je suis arrivée en rupture de feuilles plastiques. Je pouvais plus plastifier. Heureusement, j'ai réussi à imprimer sur du papier beaucoup plus épais et plastifiant 80 microns, sinon j'étais bloquée. Ce qui fait que les défis sont plus épais. Hop. Et j'ai hâte de recevoir le bicelle aujourd'hui, là, comme ça. Non, pas demain du coup, mais très probablement vendredi, je pourrais m'occuper de nettoyer le canapé. Comme ça, il sera nickel pour le réveillon. Je vais faire en même temps les matelas, surtout celui d'Aria. Comme ça, c'est cool. J'ai hâte de le recevoir. Tout sera bien propre et bien désinfecté. C'est surtout le canapé urgence. Je sais pas où sont passées mes manches de casserole. C'est quoi ce délire? Bah alors ça... Aria, arrête s'il te plaît, demander sans arrêt les mêmes choses. Bah ça alors. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait de mes manches de casserole? Voilà, bref, du coup, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je ne sais pas quelle taille il fait, je ne sais pas trop bien ce que j'ai filmé. J'ai mal au crâne, j'en peux plus, je vais me prendre un ibuprofène. Là, j'aurais rêvé, vous savez quoi? D'arrêter de travailler, de me poser et de me reposer cet après-midi. J'aurais vraiment rêvé de ça. Et ça m'aurait été nécessaire. Je pense que je vais me poser pendant au moins une heure, je vais reprendre un ibuprofène. Donne-moi ça. Merci. Je vais reprendre un ibuprofène. Je vais me poser le temps qu'Aria mange et peut-être une heure supplémentaire si besoin est, parce que là je me sens vraiment... La migraine elle est en train de me tuer quoi. C'est En plus c'est les cervicales, j'ai mal tout là. C'est ça le pire, c'est pas tant la migraine. C'est que vu que je travaille avec la tête penchée comme ça... ça tire sur les cervicales, ils sont en train de me faire une migraine puissance 10 000. Et c'est vraiment pas le moment d'avoir une migraine, quoi. Non, mais je vous jure, à ton idée. Aria, arrête! Qu'est-ce que tu fais à fouiller dans les poubelles? N'importe quoi! Mais n'importe quoi! Allez, tu arrêtes tes bêtises. Ramasse ton bébé, s'il te plaît. Va chercher ta tablette pour la mettre à table. Allez, va. Hop! Du coup, voilà. Bref, sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vais faire manger Aria. Je sais pas ce que je vais grignoter, mais j'ai pas très faim. Peut-être juste des haricots verts. Ouais, l'appareil photo, j'ai l'impression qu'il pèse 30 kilos. Oui, Aria, va chercher ta tablette, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que cet enfant n'écoute jamais ce que je lui demande ? Si vous avez la réponse, éclairez-moi. Et ne me dites pas le terrible tout. Hein. Le terrible tout... terrible tout, ça fait 2 ans qu'il dure. Allez, sur ce, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour un prochain vlog. Encore un peu plus en forme. Après 2 jours de traitement, ça fait du bien quand même, je me sens mieux. J'ai mon colicure aussi qui est en cours de livraison. Je pense que demain j'aurai tout reçu quand je vais vous reprendre. C'est cool, j'aurai plein de choses à vous montrer et plein de choses à vous dire. Ah, je me suis ouverte. Je me suis blessée. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bisous, bisous. Bisous, bisous.